Salut Mathieu. Salut. Alors, qui tu es Mathieu? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as quel âge? Moi j'ai 21, je viens 21? d'avoir 21, ouais. Ah, tu m'as dit que t'avais 22. Non, j'ai que 21, j'ai dit Ah. je vais, enfin non, j'ai dit 21, je crois. Ah bon? Et du coup je viens de Chamonix, là je suis étudiant à l'INSA de Strasbourg, donc en double cursus architecte et ingénieur. Et j'ai toujours été intéressé par les habitats semi-enterrés. Donc habitat courbe, après courbe c'est une variante, mais j'aime aussi les courbes en architecture. Et donc j'avais vu justement ton site Philippe sur internet qui était très bien garni, il y avait plein d'exemples, vous voyez que tu étais passionné. Du coup je me suis dit bah, c'est le moment de me bouger et voilà, tu m'as proposé de venir, donc je suis venu pour voir ce que ça donnait et finalement je suis très content. D'accord, donc là tu as passé 3-4 jours hein, à peu Voilà, près. c'est ça. Alors à l'INSA, tu as eu l'occasion non, de voir des documents à l'INSA peut-être sur Antilobag ou sur des livres ou non? Non. Bah non, en fait, pas trop. Enfin, en école, on n'apprend pas trop ça. Disons qu'Antilovac, j'ai découvert bah, à travers ton site en particulier, à travers sur Internet, des livres, etc. Et après, il faut s'intéresser personnellement, je pense. En termes d'architecture courbe, non, non, on voit pas tant que ça. Après, peut-être que certains profs qu'on connaisse, il faudrait demander. Mis à part moi, tu es allé sur d'autres chantiers ou d'autres, je sais pas, des constructions paille ou tu as participé à d'autres. Actuellement, non, j'ai pas vu d'autres chantiers. D'accord. Je crois que c'est le premier de cette envergure que je vois en fait. Enfin, Alors qu'est-ce que tu as fait là, concrètement? Tu veux nous concrètement, montrer, non? oui, on peut regarder. Oh, t'as fait du ferraillage hein, principalement. C'est ça. Donc, en gros, on a commencé à ferrailler la partie, le hamac des enfants. Donc, ce sera une pièce qui sera collée à la chambre des parents ou la chambre comportant le lit double. Et donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit espace, un petit volume. On vient créer quelque chose à ce niveau-là. Et c'est vraiment exceptionnel en architecture parce qu'habituellement, il faut vraiment tout prévoir au niveau du plan. Lorsqu'il y a des modifications, bah, il faut tout au PC, il faut au permis de construire, il y a plein de démarches à faire. Tandis que là, c'est très poétique, je dirais, c'est sculptural. On arrive, il y a un petit espace de libre, on vient rajouter un module. Et c'est ça que je trouve fabuleux dans ce type d'architecture. En plus des fonctions bioclimatiques, c'est-à-dire être indépendant grâce à l'environnement naturel, indépendant en termes d'énergie, de D'accord. chauffage et de climatisation. Et alors, tu es le premier à avoir, ici à la Maison Bulle, tu es le premier à avoir fait quelque chose de précis, c'est-à-dire que tu es le premier à avoir dormi à la Maison Bulle. Ah oui, on peut peut-être aller voir, il n'y a plus grand-chose. On a enlevé la toile de tente, mais tu as dormi dans la chambre de Jacqueline. C'est ça. Ah, tu as dormi là. Tu avais amené. Alors, le réchaud, c'est Luc qui nous l'a prêté. Mais sinon, il y avait une petite toile de tente et puis tu as dormi aussi un petit peu sur Voilà, la baie, ouais. le soir et le matin, le soir jusqu'à minuit, j'étais là. Bah, c'est moi ce que je trouve bien, ce que je trouve assez cool dans cette maison, c'est les ouvertures qui sont vraiment qui cadrent vraiment le paysage. Et c'est très important en architecture, les ouvertures. Je pense pas qu'il faut se contenter de mettre une baie, une grande baie rectangulaire qui fasse, je sais pas moi, il y en a qui font carrément 20 mètres carrés des baies. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que les ouvertures ne sont pas forcément immenses, bon, à part l'ovale qu'on a ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fenêtre donne sur une autre fenêtre, ou du moins peut donner sur une autre fenêtre, comme on voit ici. Et que finalement, bah, la vue, elle est catalysée par ce dispositif d'ouverture. Et c'est franchement fabuleux. Et après, il y a un truc qui est vraiment génial, c'est de voir bah, les étoiles le soir, bah, enfin cette nuit, et puis même la nuit d'avant, j'ai la chance de voir pas mal d'étoiles, le ciel était très clair. Et lorsque c'est canalisé comme ça par le puits lumière, c'est juste encore plus que si on est dehors. D'accord. Donc, tu penses que tu vas revenir? Bah, j'espère, Un peu oui. loin, mais. J'espère. Du moins, ce que je voudrais, c'est. Bah, ce serait cool de l'avoir terminé, quoi, la maison. Après, je comprends que ce n'est pas un objectif de construire très rapidement, mais. Je souhaite vraiment l'avoir avec toutes les finitions intérieures. Une fois que le second œuvre sera terminé, je pense que ce sera très intéressant de venir passer une nuit. Et puis là, ce sera une nuit qui pourra être une expérience très intéressante. Du coup, voilà. Enfin,
D'accord. Actuellement, je ne suis pas impliqué entièrement, enfin personnellement dans le projet, on va dire comme toi tu l'es, mais je sais pas, il faudrait vraiment trouver les moyens de. Ça t'a donné des idées pour un projet éventuel Oui, pas mal d'idées. Ouais. Bah, disons que moi, même avant de venir ici, j'ai toujours été intéressé par la vie semi-enterrée, donc surtout en termes, comme je l'ai dit tout à l'heure, bioclimatique. Et bah, là, actuellement, oui, ça m'a conforté un peu avec ces idées-là. Enfin, surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut faire des projets avec pratiquement rien au départ. Donc, c'est ce que tu as fait, plus ou moins. Et je trouve ça juste génial, du coup. Enfin, parce qu'en architecture, on peut avoir des gros moyens, mais on n'est pas forcément. On n'a pas forcément la volonté d'innover, alors que là, on peut innover. Ce que tu montres, c'est que tu innoves avec rien au départ. Et Tout à fait. c'est juste génial. Ok, bah écoute, Mathieu, je te remercie beaucoup d'être venu. Ben, merci à toi, Et puis, bah, je te dis une prochaine fois. Philippe. Ouais, bah ben oui, à bientôt.